est là à moitié nul. Bonjour à tous, bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Syriza a donc remporté les élections en Grèce, c'est le parti à gauche de la gauche. On a l'impression que vous êtes aussi heureux que si c'est vous qui aviez gagné les élections. Ah ben oui, parce que d'abord parce que je connais les protagonistes depuis plus de 10 ans, je les ai vus faire cette longue et éreintante marche vers la responsabilité. Et puis parce que c'est très grisant, l'histoire de l'Europe est en train de basculer. Est-ce que vous avez le sentiment que ça change complètement la donne en Europe? Complètement, non. C'est un début. Mais oui, ça change, une page se tourne. Vous disiez journée historique. Oui, c'est une journée historique parce que la période que nous avons connue de la toute-puissance arrogante des libéraux, de leur soi-disant recette miracle pour sauver les économies, s'est fracassée en Grèce. Et pour la première fois, c'est un changement radical qui est voulu par le peuple, mais d'une manière démocratique, pacifique, avec des bulletins de vote, avec de la conviction politique. Et ça, c'est admirable. Et comme les arrogants ont terminé leur temps, on peut penser que par un effet domino, l'Europe peut être refondée, peut se réorganiser d'une manière complètement différente de ce qu'elle a été jusqu'à présent, c'est-à-dire sous la main de fer de Mme Merkel et de ses porte-serviettes français. Est-ce que ce qui s'est passé en Grèce peut se passer en Espagne, par exemple? Il y aura des élections au mois de mai. C'est ce qui se dit. Les enquêtes mettent le parti Podemos en tête des suffrages, donc dans une coalition avec Izquierda Unida, ils peuvent les deux constituer une majorité en Espagne. Oui, ça peut se produire en Espagne, et je l'espère, à notre tour en France. Alors, dans l'ordre, il y a d'abord eu les Grecs. Au mois de juin, il y aura les Espagnols, ou en septembre, pardon, je ne me souviens plus très bien. Et puis nous aurons les élections régionales en décembre 2015, qui peut être notre pied d'appel pour mettre en place une nouvelle proposition politique aux Français. Vous vous rappelez, 2012, François Hollande avait dit qu'il mettrait la croissance au cœur de son programme et qu'il obligerait Mme Merkel à le faire. Pourquoi est-ce que la Grèce réussirait à faire ce que la France n'a pas alors pu faire? Pour plusieurs raisons. La première est que Hollande n'a jamais rien demandé à Mme Merkel. Il ne s'est pas battu, il n'a rien fait. Une fois qu'il s'était engagé à le faire. Oui, il s'était engagé, mais comme tout ce sur quoi il s'engage, pour lui, c'est parole verbale, comme on dit, ça ne compte pas. Il ne l'a pas fait et il a donc menti délibérément quand il disait qu'il allait le faire. Et du coup, il a raté une occasion historique, parce que la France est une puissance en Europe. Et Mme Merkel n'est pas l'incarnation du bon sens économique. D'une certaine manière, c'est certainement le pays le plus mal géré d'Europe, à mes yeux, que l'Allemagne, pour plein de raisons sur lesquelles je ne m'étends pas. Mais pourquoi Tsipras y arriverait-il alors que Hollande est censé avoir essayé de le faire, ce qu'il n'a pas fait? Mais supposons. Eh bien, c'est parce que Tsipras a été élu pour rompre sur la base de souffrances inouïes du peuple grec. Et il va donc s'adresser à la BCE et à l'Allemagne et dire « Maintenant, la question numéro un, qui est celle de la dette, il faut en parler sur un autre ton et d'une autre manière. Il faut donc effacer la dette. » Alors, il y a 1000 moyens techniques d'effacer la dette. On l'a, par exemple, on la lisse dans le temps, hein, ou bien on en annule toute une partie. La question, c'est est-ce que c'est possible? Et je suis frappé de voir comment les gens ont des connaissances extrêmement limitées sur le sujet. Écoutez-moi bien, monsieur Sicard. La dette de l'Irak a été annulée d'entrée de plume à la demande des Américains. Et Mme Merkel, déjà à l'époque, ne voulait pas payer. Et elle a fait comme une fois. Est-ce qu'on peut le faire deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, dix fois? Non. Attendez, on ne parle pas de quatre fois, cinq fois, dix fois. On parle de la Grèce. Le montant de la dette grecque aujourd'hui est insignifiant par rapport au total de la richesse européenne. Tout le monde sait que cette dette est impayable. Même si les Grecs se coupaient un bras et se vendaient en morceaux en vendant leurs cheveux, la mer et l'air, ils n'arriveraient pas à payer leur dette. Donc, quel est le sens de maintenir une dette qui n'est pas payable? Surtout qu'elle est composée de deux éléments. Le capital, est-ce qu'il a été remboursé ou pas? Il a été remboursé. Donc on ne parle que d'une chose, des intérêts. Où sont ces intérêts, s'il vous plaît, monsieur Sicard? Dans la Banque Centrale Européenne, dans les coffres. Dans les coffres des Français et des Allemands. C'est quand même absurde. Nous sommes en train d'encaisser des intérêts sur la dette des Grecs que nous sommes censés être en train d'aider. Et vous pensez que Mme Merkel va effacer la dette grecque? Mme Merkel doit comprendre la réalité. Si elle ne la comprend pas, il lui en cuira. Parce qu'il est plus facile d'étaler une dette, de l'effacer, de l'annuler avec différents procédés techniques, que de se subir le choc
d'un défaut. C'est-à-dire, la Grèce dirait, bah, écoutez, personne ne veut parler, on arrête de payer. Et puis, je vais vous dire autre chose. Les Allemands, le gouvernement allemand, doit 168 milliards d'euros à la valeur actuelle à la Grèce. Pourquoi ? Parce que les Allemands ont occupé la Grèce et lui ont fait payer les frais d'occupation. Et jamais cette dette n'a été annulée. Alors, si vous voulez que les Grecs payent leur dette, les Allemands doivent payer la leur. Et venez pas me dire que cette dette est trop ancienne. Parce qu'on a fait payer à M. Poutine les emprunts russes. D'accord, il les a pas payés cher. 280 francs le titre. À l'époque, c'était des francs, en 1999. On a fait payer à M. Poutine une dette qui datait du 19e siècle, dont les bolcheviks avaient annulé le paiement. Alors, ce qui était vrai pour M. Poutine, ce qui était vrai pour les Irakiens, tout d'un coup, s'arrête quand il s'agit des Grecs. Je vais faire remarquer. Je reviens au présent. Non, le présent, c'est bien ça, monsieur. Oui. Le présent, c'est cette part du passé qui est niée pour les uns et approuvée pour les autres. Je vais vous dire une chose. Les Grecs ont envahi personne. Ils ont tué personne. Ils n'ont occupé aucun autre pays. Alors, on ne va pas les traiter plus durement que l'on traite des peuples qui, eux, ont fait tout ça. D'accord. Mais est-ce que si aujourd'hui la Grèce ne paye pas sa dette, l'euro peut survivre ? Bien sûr, c'est de la pure technique. Si vous voulez, je vais prendre un exemple caricatural. Hein. La BCE reprend la dette grecque et c'est fini. Et la dette est dans ses coffres, on n'encaisse pas les dividendes, c'est terminé. Donc, techniquement, on sait le faire. Ce n'est pas la technique le problème. Les États-Unis d'Amérique se sont rachetés leur propre dette. Alors, ils se la rachètent quasiment tous les ans. Donc, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que quelqu'un est prêt à accepter de dire « Nous, nous sommes trompés jusque-là, ce n'est pas comme ça qu'il fallait faire ». C'est ça qu'ils ne veulent pas faire. Est-ce qu'en France, vous allez essayer de faire ce qui s'est fait en Grèce, créer un grand parti à gauche de la gauche ? Alors, avec en France... Avec les Verts, avec les fondeurs du PS ? Alors, en France, c'est ce qu'on voulait faire avec le Front de gauche. Le Front de gauche a atteint sa limite pour une raison que tout le monde connaît, c'est qu'au municipal, les uns sont partis s'allier avec le Parti socialiste, c'est-à-dire une partie du Parti communiste, et les autres refusent ce type d'alliance, qui est mon cas. Je ne veux pas d'arrangement avec le système. Mais donc il faut trouver, il ne faut pas se contenter de critiquer, il faut faire une proposition positive. Moi, mon ambition, c'est que nous gouvernions notre pays. Alors, oui, un espace est en train de se dessiner. D'un côté, le Front de gauche, dont toutes les composantes sont d'accord pour dire que, et ce n'est pas un seul parti qui doit commander là-dedans. Et puis, des socialistes, vous avez ce groupe qui s'appelle les socialistes affligés, qui ont déjà pris leur distance avec le PS, des frondeurs, et puis vous avez les écologistes qui ont quitté le gouvernement. Les écologistes doivent être cohérents. S'ils sont un parti de gouvernement, hein, et pas de figuration, ben, s'ils ne sont pas au gouvernement des socialistes, il faut qu'ils essayent de faire une majorité avec d'autres. Eh bien, nous, nous sommes disponibles, bien sûr, sur la base d'un programme. Donc cet espace, on le voit se dessiner. Je vous annonce une chose, c'est que dans les départementales, nous allons faire des tests. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle nous parlons, le nombre d'endroits où nous avons un accord avec les écologistes est à peu près équivalent à celui où nous n'en avons pas. Par conséquent, c'est spectaculaire en une élection. Mais comme d'habitude, vous ne verrez rien, le système médiatique, comme vous n'avez pas vu Syriza. Comme la dernière élection, vous ne parliez que de Haute Dorée. Pardon, Syriza, je crois qu'on l'a vu venir. Ah bon ? Eh bien, tant mieux. Ben, en tout cas, là, peut-être vous, M. Sicard, je ne voudrais pas être offensant pour vous. D'autant que vous êtes assez vigilant. Mais quand même, j'ai bien rigolé la dernière fois. Ils étaient tous à jouer du violon sur Aube Dorée et les nationalistes et amis de Madame Le Pen. Et le résultat, ils faisaient 7 et nous faisions déjà plus de 20. Voilà. Donc nous, nous sommes à la peine, je ne vais pas le cacher. Hein, mais que les gens mettent, bon sang, c'est le meilleur moyen d'avancer. Merci. William.